Sambardé. Ouais, ouais, Sambardé. Ouais, ouais, Sambardé. Hey. Vas-y, c'est bon, vas-y. Hey, wesh. On s'en fout, on commence la vidéo. Vas-y, on commence. Est-ce que j'ai une tête à dire hey? Hey. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, ça va être le Brothers and Sister Tag. La dernière fois, je l'ai fait. Arrête de rigoler, wesh. Ok. La dernière fois, je l'ai fait avec Hassan. Et là, bah, je l'ai fait avec mes deux autres frères et sœurs, Shamila et Ayan. Donc, on va répondre aux questions et c'est parti. Première question, quel âge avez-vous? Donc, moi, j'ai 19 ans. Tu connais mon âge, wesh. 21, voilà. Et 8 ans. Et toi? 8 ans. Ouais, il a 8 ans. Est-ce que les personnes vous confondent? Non, jamais. Et moi, avec Hassan. Déjà, nous, on nous appelait les jumeaux, tout ça, donc... Mais avec eux, pas du tout. Regardez, wesh, on dirait des demi-frères et sœurs, genre... Bref. Donc, la question qui fâche. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez l'autre? Donc, toi, qu'est-ce qui t'agace chez moi? Qu'est-ce qui t'agace chez Ayane? Toi, qui... Ouais, t'as compris. Vas-y, commence. Rien chez toi. Ah bon? Ah, parce que t'as peur, tu veux que t'as peur, ouais. Non, j'ai pas peur, rien. Bon, qu'est-ce que ça devient, tu me dis? Toi? Elle, déjà, elle aime trop faire le bébé à chaque fois. Une grande fille comme elle, elle fait le bébé. Et elle... Je sais pas. Attends. J'ai pas dit sur Ayane. Bah quoi. Vas-y, dis, dépêche. Ayane. T'attends qu'il pousse pas. Ayane. Non. Tes yeux rouges. Mais voilà. Shamila, pourquoi tu fais la timide là? Dis. Mais rien. Donc, y'a rien qui t'énerve chez Ayane. Et elle. Elle est bête. T'es sérieux là? Pourquoi je suis bête? Et pourquoi je suis bête? Déjà, crois-toi, elle est intelligente, mais elle est bête. Arrêtez voilà. De dire ça, mais je sais pas. Il a dit ça dans mon. Mais c'est vrai? Dans c'est vrai? Tag, là. Tout le monde croit que t'es intelligente, mais t'es bête, wesh, voilà. Pourquoi je suis bête? Parce que, mais voilà, tu t'en sors et tout, mais il y a des trucs des fois, franchement... Non, arrête, il ment, mais je suis pas bête, moi. Donc ah après, non, la j'ai bête est truc... bête, hein, il y a... Je sais, bêtes... je sais, sur Shayna, j'aime pas quand elle se réveille trop tard, après, c'est chiant. Parce que des fois, un jour de ramadan, elle s'est réveillée un peu tard et elle a pas fait les feuilles de gris. Ouais, direct la bouffe. Oui, t'as pas marre. Oui, c'est ça son problème. Donc, moi, ce qui m'agace chez toi, c'est que t'es grave nonchalant. Donc, lui, tu vas lui dire n'importe quoi. Hein. Tu lui dis Ayane, non, Ayane, je sais pas. Ça même va. Si tu lui dis Ayane, t'as quel âge, il va dire je sais pas. Oui, même là, quand on a dit t'as quel âge, il a dit bah, tu connais mon âge. Genre, il est trop comme ça. Déjà, ça s'appelle pas de la nonchalance. Être nonchalant, c'est être fainéant. Mais oui, mais, feignant. Oui, mais en plus de ça, t'es nonchalant. Bah non, je suis pas nonchalant du tout. Je sais pas. Mais si j'ai eu la flemme, bah je. Voilà, bah si, c'est quand t'es nonchalant, ouais, t'as bah la non, flemme. Nonchalant, c'est pas ça, c'est moi je sais pas direct, c'est fini. Voilà, parce qu'en fait il a la flemme de nous, genre. Tu veux un truc, il s'en fout, genre, vas-y, c'est pas son problème. Ah, c'est pour ça qu'on m'avait jamais quoi. Vu aussi. Voilà. Mais vas-y, prends la flemme, genre, il s'en fout de nos vies. Regardez, vu que lui il a fait un bac L, quand j'étais en première, je lui ai demandé, oui, c'est comment la L, tout ça, j'hésite à y aller, tout ça, il a fait, je sais pas, bah tu verras, je sais pas. C'est quoi ça? Parce qu'il faut découvrir par soi-même les choses de la vie. C'est... Ouais, mais c'est pas ça qu'il va dire. Là, il dit ça devant vous, mais devant moi, je sais pas. Après, il me laisse en chien. Bref, et ce qui m'agace chez toi, c'est ouais, qu'elle a fait trop le bébé, genre. Parle comme un bébé, fatigue. Ta tête. Ouais, genre, ouais. Genre, elle veut pas grand. En fait, elle est intelligente, c'est une grande, mais elle aime bien faire semblant. Genre, c'est une petite fille, tout ça. Et genre, quand elle va crier, elle va chier, alors que, au fond, on sait qu'elle est pas comme ça. C'est ça qui est chiant. Mais sinon. Rien. Donc, y'a rien qui m'a gâché toi. Qui t'a gâché moi? Ah, mais t'as déjà dit, c'est bon. Non, 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 non. Bon, Non, y'a un truc qui m'agace. En fait, parce que des fois, quand elle sort, elle revient trop tard. Et c'est à cause d'elle que je me fais crier dessus par que je me fais crier par maman. Pourquoi? Ah oui. Parce que tu veux pas dormir toute seule parce que t'as un bébé. Voilà, parce qu'elle voilà. Fait le bébé. Alors que t'as 8 ans. Je peux pas dormir, voilà, Chanel, elle est pas là, je peux pas dormir. Mais t'es ma soeur, non? Et alors? Bah oui, mais tu veux dormir en attendant que j'arrive. Voilà, bébé. Bébé, ouais. Cinquième question, vous disputez-vous jamais? Si. Pas le temps. Déjà, pour ça, de, si toi et Shamila, ah, comment vous vous ouais, mais ça compte pas, wesh. Il fait crâner ici. Mais déjà, oh, Shamila, t'es une menteuse. Shamila, t'es une menteuse. Moi, je m'en parle avec toi, tout ça. Et jusqu'à ce qu'ils se disputent pour de vrai, ils se parlent même plus. Parce qu'elle, elle, elle ouais. Va dire que. Ouais, mais c'est une mie, faut lui apprendre. Elle est petite et tout, faut lui apprendre les choses. C'est pas des disputes, c'est juste. Mais vraiment, lui, il est grave la haine contre elle, des fois. C'est pas de la haine, ouais, c'est elle ment sur un truc à moi, et puis c'est tout. Je dis, ouais, faut pas mentir. Moi et ma soeur, ouais, c'est juste quand je l'engueule, on va dire. Ou quand elle.
pourquoi elle me trahit aussi. Et Ayane et moi, non, ça va, on se dispute pas. Parce que, ouais. Ah, je me rappelle le jour où vous êtes disputé, Ayane, il est parti à Noël. Ouais, c'est merde, toi aussi, oui. Mais ça fait un an. Et alors... Ouais, ça c'était notre plus grosse dispute, mais sinon en général non. Je me dispute plus avec Hassan. Hassan avant se battait et tout le temps. Mais là, non. Alors, sixième question, quelle est la meilleure chose chez l'autre? La meilleure chose chez toi, c'est que des fois, quand tu pars quelque part, des fois en fait tu... En fait tu... Quand tu m'appelles, tu me dis qu'est-ce que tu veux que je te ramène. Encore nourriture. Et y'a pas que ça, y'a pas que ça. Ok, laisse-la, wesh. Vas-y, ce que j'aime chez toi, c'est que t'es gentil. Ok. Et moi, Ayane, tu m'avais fait les courses, tout ça, genre sans lui. Nourriture encore, genre, les grosses, n'importe quoi. Sans lui, on mangerait la, le matin, on mangerait du pain et du sel. Et il ramène tous les trucs, des dernières nouveautés. Vous voyez les trucs à Carrefour là que vous achetez jamais parce que c'est trop cher ou tu vois. Lui, c'est lui, il va acheter des trucs comme ça. Donc c'est trop le feu, tu te réveilles, tu vois, il y a plein de trucs et tout. C'est Ayane. Pas pour rien. C'est Ayane. Donc ça, c'est son clou, c'est ce que j'aime. Et aussi, ce que j'aime, c'est que genre il est pas prise de tête, tout ça. C'est pour ça que comparé à Hassan, genre des fois c'est mieux. Par exemple, si on est nous deux à la maison, genre on va être tellement bien, genre vas-y, genre chacun fait son truc. Moi, ce que j'aime chez Ayane, c'est un peu pareil que Shaina, et aussi un autre truc, quand je suis gentille avec lui, des fois il me passe des bonbons. Elle connaît nos voitures encore. Et toi? Je sais pas. Ouais, mec. Elle est intelligente, c'est tout, parce que voilà, à l'école et tout. Et toi, bah. Non, vous vous en sortez, c'est tout. Toi, tu t'en sors, c'est tout. Voilà. C'est quoi ça, la meilleure mais chose? Mais je suis pas moi, là, je sais pas, je suis gentil, je suis drôle, j'aime pas moi. Ouais, drôle. Bah, tu es drôle, hein. Des fois, je te dis des trucs, t'es mort. Elle vient commencer à me montrer ses vidéos, même pas drôle, elle rigole toute seule. Oh, le mec, c'est lui qui est comme ça. Oh, la vidéo. Non, on va pas parler, c'est lui. Moi-même, t'es en train de rigoler en fait, la même. Non, toi. Ah, voilà. Bref, et ce que j'aime le plus chez toi, c'est que t'es serviable, genre si j'ai besoin d'un truc, je vais dire Chamila, va me chercher ça, Chamila. Mais c'est pas, si, elle est serviable. Ouais, j'ai ce qu'elle a le choix. Mais voilà, genre, sans elle, je serais nulle, parce que déjà, elle est partie 2 semaines en colo, j'ai souffert, genre, dès que je voulais un truc, je devais me lever. Elle est 2 semaines en colo, moi, je l'ai oublié, quand même. Bah non, arrête. Non, mais voilà, genre, elle est grave serviable et tout, donc ça qui est bien. Et voilà. Pourriez-vous vivre l'un sans l'autre? Non. Ah bon? Non, pour l'instant. Non, mais vivre, non, toute la vie, genre toute la vie l'un sur l'autre. J'avoue, c'est bizarre. Parce qu'on n'est pas du genre à partir un an quelque part ou des trucs comme ça. Ça veut rien dire, ça, wesh. Vivre l'un sans l'autre. En gros, donc je vais déménager, elle va venir chez moi. Voilà, si tu déménages, est-ce que tu penses qu'on va venir te voir? Ben oui. Bah, je sais pas, faites ce que vous voulez. Moi, oui. Oui, vous voyez, je sais pas. Vas-y. Et toi, tu pourrais vivre sans moi? Ça, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites caca ensemble, vous faites tout ensemble, mais c'est normal vous deux aussi. Par contre, pour le caca, non, je suis pas d'accord. Sérieuse. 8ème question, meilleure blague ou délire ensemble? Mec, mais je sais pas, je sais même pas quoi dire là. Qu'on se moque des attitudes. Voilà, bah, en fait, c'est ça, c'est toujours ça. Genre, surtout les gens, enfin les Comoriens, tout ça, dans les manières. Les attitudes, les manies des gens et tout. Les comportements des gens, genre. Il y a trop de trucs. Les blédards et tout, ouais, là, voilà, c'est trop drôle. Toute ma vie, c'est ça, lorsqu'on quitte ça. Hey. Ouais, tout ça. On va faire ça. Non, non, le pire, c'est les souvenirs. Non. Les souvenirs quand on était petits. Ah, quand on était à l'école coranique, là. Genre, notre professeur, il a dit. Il nous a vu, lui et moi. Et il a dit. Oh, mais ça, c'est. Ça, t'as. Toi tu trouves ça grave drôle, mais c'est nul en vrai. Mais attendez, il a dit vous êtes sœur et mère. Vous êtes sœur et mère, il n'y a aucun rapport, genre frère et sœur, je sais pas moi, mais non, ce jour-là ça m'a dead. À chaque fois je repense, je suis morte de rire. Mais vas-y, c'est que des trucs comme ça, genre on aime trop se moquer, parce que lui il aime trop se moquer des gens surtout. Mais sinon entre nous deux, c'est quoi les délires? Je sais pas, mais il y a trop de trucs, genre même elle me fait rire. Hein. Quand elle danse aussi, genre quand elle est là, elle faisait peut-être bizarre et commence à danser, ça c'est marrant aussi. Elle fait rire parce qu'elle croit on est bête. C'est une petite, mais ouais. Elle croit on est bête, genre. Elle fait des trucs qu'on a déjà fait nous. En fait, on comprend les darons quand ils disent ouais, nous on était jeunes. Elle va faire un truc. Tu faisais quoi là? Bah rien, ouais, jure. Mais si tu fais menteuse, grave, elle est grave maligne. Aïe aïe aïe. Pardon.
Neuvième question, vrai demi ou belle-sœur? Donc non, on est que des vrais frères et sœurs, genre on a le même sang en germain, tout ça. Mais des fois c'est bizarre, regardez, genre on a le même père, la même mère. Et regardez, même père, même mère. Moi je trouve ça bizarre, moi, en tout cas, mais... On va rien dire. Attends, c'est normal, t'as pas de pomme, wesh, toi, tu forces toi aussi. Ouais, le mec, regarde Chamila, on se ressemble. Non, Chamila ressemble à personne, là. T'es un gamin, wesh. Rigole, ouais, ouais. Même Ayane, il me ressemble pas. Ayane, il me ressemble pas. Moi, je ressemble toi, plus à... Toi, tu ressembles à papa, moi, je ressemble à maman, toi, tu ressembles aux deux en même temps. Hassan, il ressemble à... À moi. À papa. Ouais. Ouais. Moi, je ressemble plus à... Genre, Hassan et moi, c'est plus plausible, genre. Quoique, ouais. Des fois, on dit, est-ce que vous êtes en couple? C'est vrai, hein? Donc on était à foutre le cœur aujourd'hui, ils nous ont dit ça. Vous êtes en couple? Dixième question, avez-vous les mêmes goûts musicaux? En fait. Chimie. Donc, moi et ma soeur, moi je trouve que ouais, parce que des fois elle va mettre des sons, ça va m'ambiancer. Hein. Genre, elle connaît mes sons préférés, je connais un peu ses sons. Elle va mettre un son, elle va me dire Shaina, écoute, arrête, je vais être là, ouais. Et lui, genre, on a pas le même style, mais genre, il va me mettre d'accord. Genre, il va me faire écouter un son, obligé, je vais kiffer. Ok, voilà. Parce que lui, des fois, il écoute des musiques bizarres, musique de ces jeux là, Tekken 6. Ouais, vous connaissez quelqu'un qui écoute des musiques de jeux, genre. Mais j'écoute pas ça sur mon téléphone, ouais, toi t'es folle. Il écoute ça. Elle est bête. Quand on joue à un jeu, il y a l'ambiance du jeu et tout. C'est juste la musique, elle est fraîche, mais je veux pas écouter ça sur mon téléphone. Non, tu connais par cœur, wesh, toutes les. Comment on dit là? Parce que ouais, tu connais, c'est tout. Mais moi, j'écoute de tout, moi. Ouais, mais c'est vrai qu'il connaît des bons sons, genre. Onzième question, qui met le plus de temps à se préparer? Talina. Elle. Ah. Elle. Ouais, toi aussi, tu mets. Moi, non, en fait, ça. Quoi? Oui, mais toi, t'es toujours en retard aussi, hein. Quoi? T'es toujours en retard, hein. Moi, je suis toujours. J'ai la vie, on va à Créteil. Attends, let's go, j'ai le problème. Là, je pars tout seul à chaque fois, si merveilleux. Non mais vas-y, non mais j'avoue ça c'est une maladie un peu. Je suis toujours en retard, je mets du temps. Même des fois quand je vais être prête, mais vas-y, je sais pas, j'arrive pas. Mais toi ça va, tu te prépares vite, bon. Le temps. C'est bon, j'ai que 8 ans. Donc ça, bah, c'est que pour ma Chamila et moi je pense, mais même moi parce qu'elle a pas mon âge. Talon ou chaussures plates? Chaussures plates. Talon, wesh. Pantalon ou robe? Ouais. Pantalon! Elle avait que des leggings. Je sais pas pourquoi. C'est quoi son problème? Elle avait que des leggings, genre vert, rose, jaune, genre que ça. Donc. C'est une bédarde, wesh. Ça, c'est des questions bizarres après. Hein. Votre animal préféré? Chat! Moi, j'en ai pas. Hein. Les gens, ils me préfèrent genre. Moi, c'est mon animal préféré. Mais... Le singe. Pourquoi? Parce que c'est. Alors, tu m'aimes bien? Ah, t'es bête. Mais Hassan, il dit que je ressemble à un gorille. Oh, mais non, c'est pas vrai. Troisième question, si ta maison était en train de brûler et que ta famille était sauvée, que sauverais-tu? Donc dites-moi pour qui va prendre ta compagnie. Moi, je vais sauver maman. Ta famille était sauvée. Direct, elle va dans les sentiments et tu comprends même pas la question. Moi, je vais me sauver et ma maman, quoi, attends. Ah, si ta maison était en train de brûler, oui, et que ta famille était sauvée, que sauverais-tu? Je sauverais... Pas les perles de Shaina. Ah, la gamine. Toi, je suis sûre que tu vas sauver ça. Moi, je sauverais... Elle a dit pas les perruques de chez. Aïe aïe aïe. Je sauverais beaucoup de choses. Ah, dépêche-toi toi aussi. Je sauverais mon carton de jouets. Ouais, sauver quoi? C'est pas de slime là. Ouais, slime, les unspiner, les trucs comme ça là. Bref, toi tu sauves quoi? Non, toi d'abord. Non, vas-y, dis. Toi tes casquettes. Dis, oh, super, vas-y, dis. Mais ta casquette et ta play. Non, ça ne va pas prendre la play. C'est ma play déjà. Je sais pas en fait hein. En fait je pense ma caméra parce que c'est ce qui m'a coûté le plus cher dans ma vie. Ouais, si on... faut sauver la chose la plus chère, c'est tout, moi je prendrais ma play. Ouais voilà. Play, mes baskets, parce que voilà, mes ouais, baskets. C'est les non, je prendrais moi en fait mes habits. Les leggings là. Quels sont vos points communs? On en a pas. Le front. Mais jamais là ça va. Chamila ça va, elle a pas de front genre. Mais moi, Hassan, c'est grave. Toi c'est pas que t'as un front mais c'est que... Quoi? Genre c'est... Non mais je vais pas montrer de façon... C'est formé façon calvitie genre. Ça veut dire qu'il est destiné moi, à avoir une calvitie. Moi j'en ai un gros, le mien il ressemble à une tomate toute plate. Non ça va. Bref, quelle est votre émission préférée à nous trois? Émission. Émission. Ah ouais, moi je crois que c'était film. J'allais dire... Enfin, série.
Ma famille d'abord. Ouais, j'allais dire ma famille d'abord. Mais là, émission que vous tous. Je regarde plus la télé quand même. Moi aussi, je regarde plus la télé. Mais avant, j'aurais dit Les Anges, mais maintenant, il n'y a plus. Les Anges. Non, quoi que les trucs de Pascal Le Grand Frère et les trucs comme ça, c'est marrant. C'est mon choix, c'est drôle. Ouais, voilà. Attends, à ton petit secret, un peu. Attends, il y a aussi le truc là, avec le garçon là. Je me rappelle plus la série là. Enfin, qu'on regardait avec la mini télé, le check, enfin. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a. Quoi ? Bah oui, c'est fini. Bref, les questions, on avait 12, mais en fait, il y en a qui j'ai sauté parce que ça avait rien à voir. Oh hey, on fait la fin de la vidéo. Voilà, j'ai au moins un comportement. Assieds-toi bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si vous voulez les revoir dans d'autres vidéos. Mettez des likes aussi. Et voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Et moi, à l'année prochaine. Ouais, mais c'est vrai là. Salut. Tchuss avec moi. Ouais, tu meurs, wesh.